casse, cabas, la casse, baba. Mais tous les $6,000. Waouh, comment il les a toutes. Il manque de sucre dans mon café, le goût de mon manger, la couleur de mon ciel gris. Mais Léa est tellement pure, au lieu de pleurer Mairie. Nous l'est au pied du piton des neiges. Le terroir, l'histoire, la tradition. Bienvenue à Sillaos. Hopé, Patrick. Afaksa, bonjour. Bonjour. Merci d'accueillir moi aujourd'hui à Sillaos. Pas de souci, ben, merci à vous hein, de venir à Sillaos. Ah. Là, on est dans le quartier de Matarom. Matarom à Sillaos. Matarom à Sillaos. On va dans un petit quartier déjà un petit peu sur la hauteur de Sillaos. Et au Piton des Neiges, qui est juste en haut de chez nous là. Le Piton des Neiges, il est là et tout autour, quoi, ça est là. Le Grand Monde, le Grand Ménard juste derrière. Là, la fenêtre des Marques. Tu habites dans le paradis, toi. Le paradis, c'est-à-dire partout dans le paradis. La Rigo, c'est un paradis. Juste en face de chez nous, on a un petit chemin, on a demandé la bonne courée pour y monter. Et là. Le cross du Piton des Neiges, la course la plus vieille de l'île de la Réunion, ça faut pas oublier. Il monte à la même et il décolle au village et il arrive au sommet là-haut. Et la ville, le gars, comment elle est dressée. Ah, aussi, on voit dans le sentier, on dirait, ouais. Bienvenue à Matarom, on a un plateau un petit peu plus haut. Allons visiter. Allons bouger. Pourquoi Matarom, il appelle comme ça Matarom, qu'il veut dire Matarom, en fin de compte, la suite plaisante. Pas Matarom, hein, c'est pas comme partout les endroits où c'est un mot malgache. C'est l'endroit où les morts y reposaient, en paix, tranquillement, en dessous du Piton des Neiges. Quand ils montent là-haut, mon camarade là-haut, là, ben, ils montent pas n'importe comment là-haut. Là-haut, ils montent, il faut respecter l'endroit. Parce que c'est un endroit où on rentre dans la forêt. On ressent un affaire, on ressent, en fin de compte, les frissons, ils montent dessus. C'est un âme vraiment, les ballons le disent. Monte pas trop là-haut en Marmaille, parce que là-haut c'est l'endroit, il joue pas. Écoutez Patrick, là nous arrive à l'entrée un petit chemin, hein, papa pied muaillé, t'es ah, là oui, bah, ça c'est un vieux pied muaillé ça, hein. Après ensuite il y avait un sentier. Ça c'est un sentier, ça c'est un sentier ça. Ah moi la fin il se trouve dans maintenant. Oui. Mais longtemps c'est le premier sentier de Matarom, était là. Les gens ils montaient là, et après ils débarquaient, ils montaient directement jusqu'à la lisière de la forêt. Ouais. Et jusqu'où ça y arrive, où ça le sentier t'y arrive. Il redescend au village lui. Ah, au village de Sillaos, carrément. De Sillaos, voilà. Il peut remonter un petit peu plus haut, mais il y a une route qui dessert là-bas. Oui. Et on a un joli petit point de vue qui voit bien le quartier de Matarom. Allons ouais, enfin, t'as carré, non. Voilà le petit quartier de Matarom en vie de cœur. Allez, allons, garde, allons, allez. Allez. Waouh, hopé, où sommes-nous nous, là. Bah là, on était en bas tout à l'heure, hein. Vous avez vu, on était sur le plateau, là. Le chemin, là. Le chemin, là. Oui. Et on a tout Sillaos, c'est vraiment la belle vue qu'il y a sur Sillaos. Qu'est-ce qu'il manque à Zat ici, Sillaos? Bah Sillaos manque à nous, mais il pense que... Bah pas grand-chose. Et ben voilà, c'est dit, hein, les amis.